ici Rachel, Lydias, pour un nouvel épisode de Total War Warhammer avec l'Empire. J'espère que vous allez bien. Et on va donc se diriger vers le col du feu de la gorge qui brûle, avec l'armée de Karl Franz, qui est fin prête, je pense, enfin, qui doit se reconstituer, mais quand elle sera constituée, elle sera bien fin prête, je pense, hein, parce que regardez, on va regarder ça ensemble. Kalmaraz, on peut voir quelle force ennemie on va affronter, donc cette armée-là, qui a l'air assez simple en fin de compte, donc ça va. S'ils avaient eu une grosse araignée à Ragnarok, là, il me faudrait peut-être à ce moment-là des demi-griffes Halbard, mais apparemment il y a des renforts attendus, donc j'imagine que c'est des petites araignées, j'espère que c'est pas une Ragnarok. Si c'est une Ragnarok, il faudra qu'on envoie la Rage Guard et qu'on garde les Halbardiers en réserve, pour une, c'est une unité en large, donc voilà. Normalement, les demi-griffes avec les albardes, ils en font qu'une bouchée, hein, mais on n'en a pas. Et je me disais, tiens, je vais peut-être recruter avec lui en global, mais ça va coûter beaucoup, beaucoup trop cher. La seule chose qu'on va recruter pour la quête de Crow de Runic de Reichland, ça sera l'unité de batterie tonnerre de feu pour Karl Franz, qu'on va recruter avec lui ici. Ici, dans la région, tout simplement parce que voilà, ça sera moins cher, quoi. On peut pas le recruter à ce tour-ci, mais on pourra le recruter au prochain tour. Parce que sinon, si je le recrute en global, ce truc, non seulement ça va mettre 4 tours, mais en plus, ça va coûter très, très, très cher. Donc, on retourne dans la ville pour l'ordre public. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit, oui, il fait la confédération avec le Wissenland. Non, non, non. Regardez le Wissenland. Regardez la taille de ce qu'ils ont. Et surtout que maintenant, ils ont plus trop envie de faire une confédération, mais bon, c'est moyen. Ils ont beaucoup trop de territoire. Il faut pas faire de confédération quand le mec en face a trop de territoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, on se retrouve avec un trop grand territoire. On aura des armées qui ne serviront à rien, qui nous compteront de l'entretien, donc on va perdre beaucoup d'argent, en plus on aura un malus, et il y aura des villes qui sont très mal développées. À part Talabaim, où j'imagine qu'il y a le mur, parce qu'il y a ça, le reste, voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec un gros truc à gérer, il faut jamais faire la confédération, juste parce que c'est vert, vous savez. Et il y a les Wargs qui avaient assiégé la ville, donc maintenant c'est tranquille, parce que il y a des rebelles Talabek, avec qui j'aimerais surtout, j'aimerais plus qu'eux, ils récupèrent leurs terres, au fait, d'ici Talabaim. Et ici, comme vous pouvez le voir, le chaos va revenir. Une seconde horde du chaos va revenir. Et j'ai pas envie d'être direct à la frontière sans préparation. Je devrais faire un corps des armées que je devrais garder. Je vais pas gagner un copec en faisant ça. Donc non, c'est hors de question que je fasse une confédération avec le Wissenland pour l'instant. Sauf s'il leur reste plus que deux villes. Donc deux, trois villes, là, vous pouvez faire une confédération. Mais quand ils ont plus que ça, ça sert à rien d'en faire une confédération. Vous allez juste vous ruiner, quoi. J'espère que vous avez compris le système. En tout cas, c'est comme ça que ça marche, et moi je préfère me concentrer sur le Northland que je vais reconstruire avec l'armée de Bruno Graber. Et ici, avec Balthazar, on va récupérer plutôt le fort de cuivre. C'est des endroits plus intéressants, je pense, plutôt que de se faire chier, enfin de confédération, et de se retaper ce bonus de merde. Déjà que l'ordre public est pas bien nulle part, Marienbourg ça va encore, corruption qui augmente. Là on va faire des murs, comme ça on est safe. Et puis voilà, hein, je pense que tout est dit. La recherche encore 5 tours, c'était quelle recherche? Ah oui, celle-ci, toujours la même, qui dure assez longtemps. Et puis voilà, donc on a fait avec les nains, on leur avait donné le droit de passage. La Bretonie, c'est bon, ça se passe bien. Marienbourg, bof, ouais. On a pu refaire du commerce avec eux. Tous les autres, ils sont pas très chaud, mais bon. Les Bretons, ça va. Bastogne, là, ça va. Artois, ouais, parce qu'ils sont encore avec la Bretonie, donc on n'est pas trop potes avec eux. Et sinon, voilà, le Hortland, ça va, et Ostmark, je savais pas qu'ils étaient un cran en vie, mais il y a les nouveaux guerriers du chaos qui arrivent. Et c'est pas folichon, quoi, je veux dire, voilà. Et donc, on avait aussi commencé à préparer, donc, ce qu'on va faire avec cette armée-ci. On va reconstruire Schwarzenhafen, et on va commencer à taper un peu dans la Sylvanie. Et là, maintenant, Karl Franz se repose encore un peu, on essaie de se reposer à chaque tour, pour que, comme ça, quand on arrive ici, on se repose encore une dernière fois, et puis on peut direct attaquer la ville. Sinon ça prendra trop de temps, et puis j'ai peur de rencontrer une armée orque peau verte. Alors je peux avancer encore un petit peu, j'ai vu avec mes mouvements. Ouais, pas plus que ça, pas plus que ça. Mais bon, on se reconstitue quand même. Et vous avez vu en global, si maintenant je prends des albardiers de mille griffes, ça me coûtera 3000 balles. Ça aussi, regardez, ça coûte tellement cher. Donc non, non et renom. Bien. Je pense que c'est bon. Alors, vous avez sûrement vu le nouveau DLC qui va sortir le 1er septembre avec deux nouveaux héros légendaires du côté Vampire et de l'Empire qui ont l'air vraiment classe. On aura les Flèches Lents, on aura les Chevaliers of the Blazing Sun. Je sais pas comment dire en français. Ça va être super cool, franchement. Il y aura des très bonnes unités. Et je pense que cette campagne ne sera pas encore terminée, donc on essaiera de le recruter. Parce qu'on peut le recruter dans la grande campagne, du coup.
On aura sûrement le bâtiment pour et on pourra du coup faire une petite vidéo découverte du coup de DLC en fait. De The Free, non pas de The Free, de The DLC parce que c'est un DLC qui coûte 7€ sur Steam pour l'instant. Donc eux ils me redévalisent, les chiens galeuses. Les chiens. Alors ici, oui, ici je voulais prendre la batterie de tonnerre de feu. Balthazar a gagné un rang. Non, c'est lui qui a gagné un rang. D'accord, on va continuer ouais, dans le truc. Combattant, balle d'argent, dégâts d'argent. Je vais continuer là-dedans. Et il peut aller au fort de cuivre en un tour, Balthazar. Non, il peut pas. Et je sais pas pourquoi on perd des hommes ici. Corruption chaotique, 51%. Je crois que c'est pour ça. Oh, c'est chiant qu'on puisse pas aller en un tour. Et on perd des hommes ici aussi. Ah oui, c'est à cause du chaos, quoi. De toute façon, on perd des hommes en construisant la ville, mais bon, j'avance un petit peu plus. Si on a le temps de ce côté. Ici, on gère la corruption, donc il n'y a pas de souci. Ici, ça redescend, c'est logique, on vient de reconstruire la ville. Prochaine ville, c'est Diederschaffen, hein, pour avoir beaucoup d'argent. Pour que ça nous rapporte. Et le reste, c'est bon. Hein. J'avais construit ça ici. Si je peux développer ça, mais ce n'est pas important. Pourquoi Grunburg? Ah oui, parce que Grunburg était détruite, c'est ça. On devra remettre le truc de cave. Et lui il va reconstruire Schwarzenhafen. Pourquoi il peut pas aller en un tour? Putain, le jeu il touille, j'ai perdu des hommes quoi, c'est chiant. Mais je vais paniquer tous mes mouvements en 2 mètres là, c'est quoi ce bordel? Putain, mais en touille, j'ai perdu des hommes quoi, c'est ridicule. Putain, mais alors du coup, ce que je vais faire. Quoi? Comment? Un plaît-il? What the fuck? Bon ben. En mode camping, je sais pas pourquoi tous mes mouvements sont sucrés dès qu'on avance dans ce truc. Alors, tac, on va avancer avec Karl France. Je sais pas s'il y a une armée là-bas, on va pas prendre le risque, on va juste avancer comme ça. Juste pour regarder s'il n'y a pas d'armée ici, non, ça a l'air c'est bon, alors on y va dans un coup. On va aller se reconstituer là-bas à Grenstadt. Ouais, je crois qu'on va se dépêcher un peu. Oui, merci le jeu de faire ce que j'ai envie de dire, oui. Je l'ai mis en marche forcée, maintenant il avance plus du tout. Ça c'est un bug ça, je pense, parce que c'est pas possible, quoi. D'accord. Ici on peut pas non plus faire quoi que ce soit, parce que les mecs sont cons. Ils sucrent leur mouvement en marchant dans une flaque d'eau. Tac, ici on va prendre la batterie tonnerre de feu, hop, pour Call France. Comme ça elle sera faite, j'ai plus de fric. Et toi, tu vas devoir ouais, gérer la corruption dans la nouvelle région, ma cocotte. Ma biche. Voilà, hop, je te mets comme ça pour l'instant. Et on gère ça. Bon, eux, ils nous plient rien. C'est bien. Ils peuvent rien nous plier puisqu'on a plus d'argent. Toi, t'es quoi, toi? Ah oui, défensive. Ils ne peuvent point piller les régions sans argent, ce n'est pas logique. Marienbourg, on améliore, hein, c'est ce qu'on avait fait, pour pouvoir faire les murs. Et voilà. C'est chiant qu'on perde des hommes ici. Il peut pas gérer la corruption là. Je pense qu'au prochain tour on perdra plus d'hommes parce que ce sera sous 50%. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, ils ont des problèmes d'ordre public. Donc si je récupère ces villes, c'est vraiment un double tranchant. Hein. Enfin, plus ça tranchant que. Voilà, c'est double tranchant, mais vraiment très tranchant quoi. Ici, normalement. Ouais, je fais baisser la vampirex, c'est déjà une bonne chose. Je vais gagner un rang pour monter d'un grade. Lui, je vais le laisser là, Bruno Graber, hein, parce qu'il a, il a beaucoup d'artillerie sur lui. Et sinon, c'est tout. Combien de temps la batterie tonnerre de feu? 2 tours, d'accord. Je sais pas si je la récupère, si j'ai le temps d'aller la refiler à Karl Franz. Passons vite les tours, comme ça on aura peut-être le temps de le faire. À la place du mortier, ce serait plus intéressant de prendre ça, quoi. Contre les peaux vertes. Parce que le mortier, c'est bien, en fait, au début. Aussi contre les sièges, en particulier. Alliance militaire? Pourquoi? Vous êtes en guerre contre des nains? Non, seulement contre le chaos. Ça c'est qui ça? Karakizor. Ouais. Ah, je vais pas faire d'alliance avec vous. Le reste suffit déjà au fait. Parce que le problème c'est qu'après les autres nains ils vont pas être contents. Bon alors eux ils se cansent. Bon débarras. La première horde. Ah mais ils ont des nouags. On dévalise les terres de machin. Un étranger arrive. Accorder la requête, mais on aura de la corruption chaotique. Refuser la créature. On refuse la créature, bien évidemment. Karl Franz. Il a le temps de bouger normal.
Ah non, ben non, j'ai rien dit. Je pensais qu'il allait pas être dans la région, d'accord. Voilà, ben vas-y, comme ça on se reconstitue bien notre territoire. Tout ça c'est fait, donc les mecs ici, la tribu des premières hordes, ont fait une wag. On n'est pas en guerre contre eux. Voilà, là on se reconstitue bien, normalement dans 3 tours on sera bien. Et lui, il va pouvoir venir nous filer le truc. Et quoi au problème d'ordre public dans cette région m'énerve, Kemberbat. C'est une région qui me saoule depuis le début. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à gérer la corruption, en plus. Ça, c'est vraiment eux qui n'arrivent pas à gérer leur truc. Du coup, c'est la merde, quoi. On va avoir des rebelles, je pense. Hein. Parce que je suis obligé de partir avec cette armée, moi. C'est chiant. Tac. Bon, Schwarzenhafen, tant pis. Hein. On attendra un tour dans la Pampa. C'est con, hein, d'être aussi débile et de pas pouvoir faire 2 mètres, quoi. C'est triste, hein. C'est triste. Les mecs, là c'est pareil ici en haut, je parie. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est que le jeu il t'oblige à perdre des hommes. Ah, ben non, c'est bon, vous voyez. On est sous 50%, donc on perd plus d'hommes. Voilà, ben, ça va alors. De toute façon, j'avais pas l'argent pour construire. Ici la corruption est gérée. Ici c'est moins 2. Il y a des murs à faire, j'imagine, dans cette ville, bien évidemment. On a du bois, mais ça c'est bien. L'argent. Voilà. Et on attend donc qu'on soit reconstitué, c'est bien, il y avait une ressource, j'avais pas fait gaffe. Ici je voulais faire un mur, je ne peux pas. Pourquoi le jeu dit que je peux? Non, je peux pas. Ici, non, c'est bon. Voilà, et l'argent ici, ça va. Ici, ça va, parce qu'il y a Carrefour qui est dans la région. Ben voilà, ben, du coup on attend un tour. On construira les villes la moins chère, une des deux. Et du coup, c'était quoi mon problème là? Je me souviens plus. J'avais un souci, voilà, c'est ça, c'est Kemberbad. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette ville de merde? Ici, ça va. Alors toi, tu vas retourner ici pour l'ordre public. Voilà, ici on est à 0 du coup. What? La corruption augmente. Pourtant, il a rien qui fait baisser la corruption, le coco ici. Ça n'a aucun sens. Il est un peu brouillon des fois le système de corruption. Bien, 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 bien. D'accord, on va passer le tour, je pense. Y a rien d'autre à faire ici, le Wissenland, on peut faire du business avec eux par contre. Hein. Vous voyez, ils veulent faire une confédération, mais moi je veux pas. Parce que s'ils veulent en faire une, ça veut dire que le chaos est à leur porte et qu'ils sont en PLS. Et j'ai pas envie de m'en trouver avec le malus, moi je prends juste le commerce. Parce que ça c'est bien. Ça nous fera gagner de l'argent. Vous voyez, il faut pas non plus spammer le bouton de confédération. Hein. Le problème c'est que c'est un système à double tranchant quand même aussi. Hein. Il faut attendre vraiment que... ils soient affaiblis à mort, quoi, qu'il ne reste plus beaucoup de régions pour que vous soyez gagnants, parce que là vous faites de la perte, vous perdez de l'argent pour rien en fait. Surtout s'ils ont des armées qui servent à rien, qui prennent beaucoup d'entretien. Alors lui il va pas rester là longtemps, je sais pas pourquoi il revient lui, mais tu vas mourir. Voilà, il se remet de nouveau bien à la limite, hein, qu'on peut pas le toucher le mec. C'est de nouveau, on est de nouveau bien dans la vibe là du Total War. Bon, du coup je vais devoir rester dans cette région en fin de compte. Il a rattrapé ce connard. Alors combien ça coûte pour reconstruire le fort de cuivre? Ça nous coûte 900 balles. Ça nous coûte 900 balles. Et combien ça nous coûte pour Schwarzenhafen? Schwarzenhafen c'est plus urgent parce qu'on perd des hommes. Ça coûte 1600 quoi. On a combien d'argent? On a 2000 balles. Je peux mettre en mode camping au moins. Alors, on va plutôt d'abord reconstruire le fort de cuivre. C'est un peu moins cher. Parce qu'on aura un bâtiment. Quand on reconstruit une ville, on doit construire un bâtiment dès le début. Voilà, je colonise ça. Voilà, on a le fort de cuivre. Et hop, je dois tout de suite faire un bâtiment après. Donc vous voyez, j'ai pas l'argent pour faire deux villes en même temps. Quoi. Voilà, ça c'est fait. On a le fort de cuivre. Qui est une position très défensive. J'avais jamais cette ville. Ah d'accord, c'est une maison de garde. Et ça donne de la garnison, d'accord. Et j'imagine qu'il y a déjà des murs dans cette ville, automatiquement, j'imagine. C'est intéressant. Fort de cuivre. Faudra que je fasse un instant l'or dessus. Ah, il a gagné un rang, c'est très bien. Coût de construction modifié d'encore moins 10%. Oh, ouais, ça pourrait être intéressant si on le déploie, mais j'hésite à... lui mettre une autre truc qui fait mal. Dégâts des armes, résistance, peau imperméable de pan, la lancée d'ambre, inflige des dégâts performants, efficace à toute portée, bonne perforation, cause des dégâts aux combattants alliés. Ah d'accord. Lance d'ambre. Je pense qu'on va faire ça, soyons économes.
Et si on le déploie normalement, si on les déploie avant de construire un bâtiment, le bâtiment coûtera moins cher. Ça c'est intéressant. J'avais fait ça dans mon autre campagne, c'est assez intéressant. Moins 9 d'ordre public. Bon alors on est à moins 1, ça va baisser moins vite. Lui, je veux qu'il aille le plus vite possible. Parce que j'ai un droit de passage avec le Viceland en fait. Même pas, putain, mais pourquoi? C'est militaire. Oh non, mec, je m'en fous, je traverse ton pays. On va pas commencer maintenant avec tes chipoteries, là. Bien sûr que je vais traverser son territoire, espèce d'andouille. Mais pourquoi je perds des hommes? Les mecs, ils savent tellement pas gérer la corruption, les gars, quoi. C'est des trisos, quoi. Tu dis vraiment que l'IA, c'est des débiles, quoi. Je pense que l'IA a pas vraiment compris le système de corruption, hein. J'ai l'impression, hein. Bon, on s'en fout, quoi. J'ai pas le temps, là. Franchement, mais les mecs, quoi. Gérez votre corrue, quoi. Regardez comment l'IA gère ses villes, quoi. C'est ridicule. Tu te retrouves vraiment comme un con, quoi. Très bien, ça en construira plus tard. Ici, on gère la corruption. Empirique baisse, très bien. Et avec Karl Franz, on va se reposer. On va attendre la batterie tonnerre de feu. Comme ça, on débloquera cette quête. Et en même temps, on aura une puissance de feu supérieure. De toute façon, on doit attendre ici pendant 2 tours. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je vous le demande. Donc, la bataille sera peut-être pas à cet épisode. On va quand même essayer de la faire. Hein. Ça m'énerve un peu. On passe le tour. Voilà. Bah, petit à petit, on récupère le territoire qu'il faut. J'ai pas envie de prendre les trucs qui sont trop à la frontière parce que le chaos il s'éclate un peu dessus quoi. Je vais me concentrer plus sur la Sylvanie maintenant. Après avoir reconstruit le Northland, ça suffira très bien. Putain, mais ils sont chiants. Dès que t'enlèves une armée, les mecs ils arrivent déjà avec 2-3 mecs quoi. Putain. C'est quoi ça? C'est des rebelles du chaos, mais what the fuck. Les gars, c'est des rebelles de rebelles. Regardez comme ils se ramènent comme des petits rats dès que tu quittes ta ville. Ouais, mais bon, la garnison est supérieure, donc Osef, quoi. Alors, ici. Vite, what the fuck. Mais c'est dingue, l'IA, comme elle réagit, quoi. Regarde, tu veux reconstruire une ville, les vampires sont juste à côté, quoi. Bon, elle a pourri son armée, hein, j'en fais qu'une bouchée, mais bon. Bon, on a encore un tour de reconstitution, donc ça n'a rien à voir. Ici, on va reconstruire la ville. Parce que les vampires, là, ils commencent à m'énerver. Voilà, Schwarzenhafen. Et on n'a pas assez d'argent. Et putain, ta mère. Putain, il est si cher en plus, quoi. Un problème d'ordre public direct, quoi. Voilà, toi, tu continues à faire ton truc. Voilà, et on commence à taper dans la Sylvanie. On n'est pas en guerre contre les vampires, je vous rappelle. S'ils attaquent Averheim, c'est le PLS pour eux. Karl Franz est à côté. Parce que regardez, la quête, elle est vraiment juste à côté. Donc, même si les vampires arrivent à un moment donné, voilà. Les vampires ils sont pas très forts hein. Enfin l'IA n'arrive pas très bien à les gérer. C'est très difficile les vampires. Et donc automatiquement l'IA elle a du mal. Par contre il me manque combien là pour construire ça? Parce que ça m'énerve un peu. Il me manque environ 500 balles. Alors qui je peux gratter 500 boules? Le Orland il m'aime bien hein. Putain. Exiger toi me donner argent. Toi gentil 500 euros. Oh, merci. C'est gentil, hein. Voilà, hop. Tac. Ah oui, mais là, on gratte, hein. On gratte. D'ailleurs, l'argent remonte petit à petit. Je sais que, voilà, je ne gagne pas beaucoup. L'ordre public, hop. Voilà. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Zalsmund, tant qu'il n'y a pas de nouveaux bâtiments à faire, on ne déploie pas encore les héros. Mais la garnison est encore un peu pourrie dans cette région et j'ai peur que le chaos débarque par derrière. On va attendre qu'on soit full reconstitué. De toute façon, ici, Balthazar, il va pas rester non plus trop longtemps ici. Je lui avais fait les cailles d'acier et la main de plomb. On va tout de suite faire la meute dorée de... attendez. Non, on va aller... On va se diriger vers la ferveur aussi un peu. Ouais, c'est une bonne chose. Il est niveau 4. Il est niveau 4, lui, il est niveau 9. Lupio, il pourra peut-être changer de position, on va voir. Fort de cuivre, je peux rien construire. Middenheim, c'est bon. Je veux pas rattraper cet enculé. Si je peux, mais j'ai pas l'argent. Ta mère. Donc on va juste se rapprocher de lui, quoi. On va se rapprocher du mec. Et ils ont bien modifié les agents depuis la mise à jour, la fameuse mise à jour là. Je me suis pas fait attaquer une fois, alors je sais pas si c'est vraiment seulement les peaux vertes qui sont agressifs comme ça.
Je pense que les mecs du chaos, ils se contentent juste de faire la corruption. Passons le tour. Encore un tour pour la recherche. Marienbourg est fini dans un tour aussi, tiens. Déjà, ça va nous faire gagner un peu plus d'argent. Dis pas qu'il m'éclaire la guerre comme ça. Hein. Il veut faire un pack de non-agression. Non. Ça va faire des malus après avec les autres. Les vampires, ils sont trop gentils, je trouve. Ah, les nains qui attaquent les... Ah, c'est bien, il y a une armée naine là qui vient un peu m'aider. Voilà, alors lui, il vient faire chier. Bon, il va se taper l'autre dans la tronche. Technologie recherchée, le cercle intérieur. Pied, oui, mais ça, c'est une petite cata à la con. Tenir compte des avertissements. Portée déplacement moins 10%. Putain d'enculé, c'est bien ça, les petites... Les petits events comme ça à la con qui t'empêchent de faire ton jeu, quoi. Merci. Allez hop, faisons cette quête-là, au moins déjà ça sera fait. Je te donne la crotte d'aigle et tu me donnes la batterie tonnerre du TK V2. On va l'appeler comme ça. Alors, batterie tonnerre de feu... non, batterie tonnerre du TK V2. Et je peux pas faire le 2. Youpi, tralala. Vous allez vivre les aventures incroyables. La liberté sans limite. Un TK V2, voilà. Et on peut faire la bataille directe. Bah super, on aura juste le temps de la faire du coup. Toi tu retournes là-haut mec. Et ici on gère, ouais. La corruption va baisser. La corruption va baisser, vous inquiétez pas. Ils sont chiants les vampires de se mettre à la motte là. À le motte. À la motte. La grande motte. Ça c'est bon, si la corruption augmente bien évidemment. Hein, parce que monsieur l'enculé a décidé de venir faire chier son monde. 14%, mais putain, mais tes agents ils servent tellement à rien dans ce jeu. 18%. D'accord. 11%. Putain, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi il y a de la vampirique ici, c'est quoi ce bordel? C'est n'importe quoi, putain. Tiens, c'est n'importe quoi. Bah tiens, reste là, toi, fais ta petite tambouille. On peut pas l'assassiner, malheureusement. Donc toi tu vas retourner à Camberbad parce que les gens font sacrément la tronche. Ici on est reconstitué donc on peut déjà aller à Distoraphon. Alors je sais pas combien ça va coûter. On va d'abord se contenter de faire fort de cuivre. On peut pas. Il faut le niveau 2. Ah ben fort de cuivre je suis con. Il y a du mine de cinabre. Oula oh, ça rapporte un peu de flouze. Ça me rapporte moins de flouze que ça mais bon on aura de la production donc c'est bon. Voilà, on va voir ce qu'ils vont faire avec cette ville ici, elle m'intéresse aussi si maintenant ils la perdent. Les nains qui nous ont aidés, d'accord, ben faisons la bataille du coup maintenant. Que tout est dit, que tout est... Quoi, qu'est-ce qui se passe ici? Quoi, il était pas reconstitué, what the fuck? Oh non, on s'en fout là, on y va. Le jeu qui m'empêche de faire mon let's play là. Voilà, alors. Attends, on a des nains qui viennent nous aider quoi. Au lieu de gyrocopter et tout. Avec du gyrocopter! Putain, mais c'est incroyable, on sera opérationnel quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu? Et voilà, ils ont eu une araignée à Arknarok. On est un peu dans la merde, on n'a pas de. Les géants s'en branlent, mais les araignées, ça va être chiant. Oh, elle va être chiante cette araignée. C'est bon, faudra envoyer là. Elle est anti-large, elle est un peu nulle. Il faudra qu'on garde les deux unités d'Albardier pour l'anti-large. C'est-à-dire pour le géant et pour l'araignée. Pour le reste, on s'en fout, quoi. C'est quoi le territoire? Enfin, le terrain, quoi. Après, on a les nains aussi qui nous aident, donc c'est cool. On est en contrebas, bien évidemment. Ça va être chiant. Sinon, ils ont qu'un seul canon. Hein. Oui, ils ont qu'un seul truc. Ok, bah, celle-là, on va pouvoir l'immobiliser assez rapidement avec la cave. Ok, bah, allons-y. Bien évidemment, il y aura le replay pour avoir plus de beauté. Plus de beauté dans la chose. Et donc on se retrouve tout de suite sur le champ de bataille. Merci. Now is the time, men of the Empire, to unite, for the orcs gather. Beyond the pass, a war boss draws to him all that is foul. An orc horde beyond imagining. As Sigmar fought, so shall we. We will become part of the legend. We will wipe the orcs from our door
And only when this is done, when our nation has healed, shall I take up Gal'Maraz! For Sigmar! For the Empire! For the Warhammer! Hey. Et donc on se retrouve pour la bataille de Gal'Maraz, la bataille légendaire, le briseur d'os, et on affronte donc cette armée d'orques. C'est exactement la même bataille qu'on a eue sur la présentation avant que le jeu sorte. Et ils nous bombardent déjà avec ces petites merdes là qui font beaucoup de dégâts pour ce que c'est. Et donc on a de la cave sur le côté ici, prêt à intervenir justement sur cette artillerie. Ici notre cave va très bien accueillir ces loups. Et le nain derrière, le parole d'honneur qui arrive nous soutenir, mais il manque un peu de temps. Et donc on va avoir cette charge ici de la cavalerie de l'Empire, qui est l'unité du courroux de Fox de France, pardon, le courroux de France, qui va donc charger impunément cette petite unité de loups, qui va bien évidemment se faire défoncer, bien évidemment. Et donc ici aussi les tirs qui fusent contre cette unité de cave qui essaie de faire une charge. Les tirs que Patrick du Tonnerre de Feu, le TKV2, que je concentre sur les unités ici. Tandis que Charcut Frostpike sur son c'est pas son dragon mais son hydre, on va dire, je sais pas comment on appelle ces bâtiments. C'est pas un dragon, je crois. Attendez, je vais regarder ça. Ah si, c'est un dragon normalement. Ou le dragon, non, le dragon c'est quatre pattes, je sais pas. En tout cas il se prend plein de tirs dans la tronche, oh là là, ça fait du bien. Et ici ma cave qui va donc essayer de détruire cette unité. Donc pareil ici, leur charge qui a foiré lamentablement. Et les nains qui viennent nous aider ici derrière avec des gyrocoptères. Ma cave qui a donc liquidé cette unité. Les gyrocoptères nains qui vont faire du beau TK aussi. Hein. Faut qu'on se le dise, mais bon. Et là, l'Empire est prêt à accueillir cette charge. Là, je vais tirer une boule de feu, je crois. Regardez-moi ces petits gobelins de merde. Mais j'ai jamais vu cette unité, c'est quoi? Ah, Boys... non, Boys Orc, non. Mais il fait partie de quelle unité, lui? What? Regardez, il fait du TK, il est con. What the fuck? Mais il fait partie de quelle unité? C'est un général? Là, on a la boule de feu, du coup, qui part vers cette unité. Et là, Karl Franz va, du coup, se battre contre Charcut. Alors, une très belle boule de feu, ma foi. Oh là là. Très belle trace de freinage là. Et on a donc ici donc ce petit gobelin, je sais pas de quelle unité il faisait partie, en tout cas il faisait du TK quoi. Et donc ici Karl Franz, et là on voit que tout se passe bien là-haut. On s'arrame un peu parce qu'il y a beaucoup d'unités. Et là hop, Karl Franz qui se bat contre le général Pauvert, qui s'en prend vraiment plein la tronche hein. Karl Franz aussi s'en est pris plein la tronche, mais en même temps je focus et tire dessus ici. Karl Franz n'a pas encore le demi-griffe, enfin le griffon. Ici on a donc on s'est donc rabattu sur cette unité de tir. Ici en haut le problème c'est que regardez, ils m'ont mis un malus, il me semble. Ça donne des dégâts, ok. Ils font plus de dégâts eux. Et je voulais les liquider, mais malheureusement il y a déjà les renforts qui arrivent, les araignées, avec Arachnarok ici, qui arrive. Et le problème c'est qu'il fallait que je recule vite fait. Tandis que la bataille ici continue. De fusée, alors ici naturellement le centre qui s'est formé. Je focus la batterie tonnerre de feu sur le général pour l'instant là, général orc. Donc là je recule ma cave là derrière. Le général qui commence à fuir ici, hein. Je lui fais un malus, je lui fais le home de la discorde qui réduit quasiment tous les trucs de défense et d'attaque. Et là hop, je refais des charges sur ce général qui s'est pris une charge quand même de la rage guard, c'est pas rien. Ici j'essaie vraiment de partir, j'essaie d'éviter ces araignées et les attirer. Oui, ça pourrait arrêter de ramer par contre. Et les attirer vers mes unités de tir ici. Donc j'attire les mecs. Hein. Et ici je focus mes tirs sur Arachnarok bien évidemment. Parce que c'est l'homme à abattre. Et eux ils sont constitués, ces petites merdes ici, de tireurs, de plongeurs, catapultes, de mes couilles. Unité que je déteste le plus dans ce jeu. Unité qui est tellement. What the fuck. Et là on a donc le général nain Dorin, parole d'honneur. Et je pense qu'il a fui... Ah voilà, oui, j'ai essayé de rattraper le général mais Charcut, mais il s'est enfui. Il s'est enfui comme un large.
Et là, donc, je vais focuser bientôt les tirs sur, voilà, sur Ragnarok, vous voyez là-haut. Je vais faire un peu de slow motion, comme ça on voit. Et là, les alliés se font attaquer, mais je fais du contre-tir sur ces unités. Heureusement qu'ils étaient là, ils m'ont protégé, au fait. Là, je reforme des lignes. Ma cave, elle se remet. Pareil de ce côté, on se remet. Et on focus les tirs sur l'araignée. Et sur ce général ici, louche, brûlure de barbe. Tandis qu'ici, je vais refaire monter une unité de cave pour choper ces mecs. Mais malheureusement, la Rage Guard va se faire intercepter. Là, toujours des tirs. Je sais pas si on l'a touché une fois. En tout cas, on va la focus bientôt. Et je vais donc l'attaquer avec mes unités anti-large. Ici, il n'y a pas de souci. Ils essaient de nous prendre par derrière, mais ça marche pas. J'avais de la cave. Ils ont des chars aussi, il me semble. On est en train de focus les tirs dessus, sur les petits chars ici. Qui sont assez pénibles. Hein. C'est comme les maraudeurs, c'est chiant. Et là, ouh, on a une belle touche là. Un qui a touché, c'est très bien. Je vais focus mes tirs bien dos dessus. Très belle image ici de la bataille. Je pourrais vous montrer tout le temps sans l'interface, mais c'est mieux que ça. Vous voyez, avec les drapeaux, c'est quand même plus clair. Hein. Et là, l'araignée en fait qui a attaqué le général Dorin. Et là, regardez-moi ce focus sur l'araignée. Waouh, le focus. Bon, normalement, on peut pas faire du TK, le nain est tellement petit qu'on va pas le toucher. Ouh là là, de plein fouet. De plein fouet. Et là-haut, je vais donc monter de la Rage Guard pour intercepter, mais le problème c'est que regardez comment ça tire ces trucs-là. Il y a les autres renforts qui arrivent, donc voilà. Regardez la précision de ces machins-là. C'est fou quand même, hein. Ça devrait être interdit cette unité. Et là, je vais charger avec mes unités anti-large. La boule de feu qui touche en plein dans l'abdomen de l'araignée, de la bête. Dorin va se faire soutenir maintenant par les anti-larges de l'Empire. Il y a quand même aussi les gyrocoptères qui ont fait pas mal de TK ici. Et là, ma cave, elle va remonter. Tandis qu'ici, les nouveaux renforts arrivent avec un troll. Ils ont un géant, il me semble. Ouais, ils ont un géant, c'est pour ça. Et avec le bling, ils ont normalement le géant avec le bling. Le bling avec... Oui, ils ont le géant avec le bling, avec la jante autour du cou. Hein. Et ma Rage Guard qui se fait juste intercepter ici par ces saloperies-là. Donc j'ai décidé de reculer plus tard. Voilà, regardez le TK qu'ils font. Regardez, au fait, j'ai perdu tous mes hommes à cause du TK de leur truc. Moi, après, j'ai retiré mes tirs. Putain de nain, quoi. Et là, donc, on monte notre cave ici pour plus tard. Ici, ma Rage Guard, j'ai dû la rapatrier derrière pour les attirer, faire les tireurs ici. Sinon, c'est impossible. Là, on focus. Ici, ils ont encore des unités de gobelins et tout. Mais les nains gèrent la fougère. J'ai décidé de focus le géant. Et les unités qui sont en dessous. Et donc là, on a des bons tirs aussi sur les unités d'ici qui ont le dos tourné. Eux, ils tirent leur vapeur. J'ai pas trop utilisé mon mage. Hein. Karl Franz va bientôt se mettre à attaquer le géant plus tard. Mais l'araignée est en très piteux état. Elle commence à fuir. Elle a bout de souffle. Hein. Et ça, c'est une bonne chose. Là, je focus sur les unités là. Ma cave ici, hop, qui va s'occuper de ces gars-là. Bon, la cave des peaux vertes est normalement assez nulle, donc ça devrait être gérable. Et là, on a donc les mecs qui arrivent. Alors, je vais ramener Karl Franz, il va faire un bonus après. Donc, ici, il y a donc, les trolls qui attaquent les nains. C'est quoi ce tour de magie là hein? Infanterie. Ah, oui, poignard perfide, d'accord. Donc, ça donne des dégâts d'armure et d'armes. Au pot vert. Et si on se fait intercepter, mais pas de soucis, je ramène l'autre cave. Regardez, il continue à me tirer dessus. Cette unité est ignoble. Et en plus, voilà comment elle commence à fuir, mais c'est bien. Ici, je les ai attirés vers mes arquebusiers. Et là, hop, on va foncer dans le cac. Et le géant, lui, on va le focus de ce côté-là. Avec les trucs. Bon, moi aussi, je fais du TK, mais j'en ai rien à péter. Ça, voilà. On rend l'appareil au nain. Et là, l'araignée qui revient. Mais Karl Franz arrive à temps pour faire le bonus de main de protection contre les charges. Qui est donc maintenir position 100% résistance aux charges. C'est-à-dire que la charge de l'araignée n'a servi strictement à rien. Elle a fait aucun dégât.
Et donc on a pu tout de suite la contre-attaquer. Et là j'ai tout de suite fait. Ouais, j'ai fait la cape, je crois. Ouais, cape embrasée. Et là, ça craque complètement. Ça craque complètement le géant qui est complètement focusé par la partie tonnerre de feu qui se fait complètement tirer dessus là. Il est complètement à bout de souffle. Et la cave ici qui fait le ménage derrière. Ici on a un peu du mal parce qu'ils nous ont intercepté. Mais c'est pas tellement grave. On a gagné la bataille de ce côté là. Et je me demande si l'araignée on l'avait tuée, il me semble. Hein. Je sais pas si on l'avait tuée, en tout cas elle va fuir. Le géant lui on va le tuer, il est juste en train de s'en prendre plein la gueule. Et donc super, donc après il n'y a plus que le ménage, le TK que je fais là. T'as l'araignée qui a réussi quand même à fuir, et lui il va mourir je pense. Il va se prendre les tirs. Ouais, là il va mourir. Oh putain. Oh le pauvre. Voilà, et il est mort. Et l'araignée elle a vraiment réussi à fuir, il me semblait qu'elle était morte. Elle a encore beaucoup de vie quoi. Et les généraux ennemis qui meurent. Et donc la bataille de Kalmaraz est gagnée pour l'Empire avec l'aide des nains, bien évidemment. Heureusement qu'ils étaient là. Et donc, on tue le reste des gobelins ici. Et là, Karl Franz et la fière Brandia Kalmaraz. Le marteau de Sigmar. Un briseur d'os qui était volé par ses peaux vertes et récupéré maintenant par l'empereur lui-même. On a donc gagné cette bataille et on se retrouve sur la map de campagne, les amis. A tout de suite. Et voilà le travail, j'espère que ce replay vous a plu. J'ai laissé un peu jouer les nains aussi, hein. Et pour ça que j'ai laissé des unités assez longtemps derrière, et qu'ils n'ont pas fait tellement de kills. Mais c'est surtout ma cave, je me concentrais beaucoup sur ma cave. Et leur araignée là, pour la tuer, et donc la bataille de Kalmaraz, qui s'est donc très bien passée donc avec les nains. Beaucoup de dégâts, je sais pas combien de kills. Alors, moi je déteste leur canon ici, hein. C'est tellement n'importe quoi. Mais bon, c'est dans le lore. Mais je pense pas qu'un truc comme ça fasse autant de dégâts, quoi. Très bien, génial, on a gagné des rangs. Et Kalmaraz. Kalmaraz dans notre poche. Alors ça aussi, on a fini. Alors ça, c'est pour le chronique de Rightland. Il faut déplacer un personnage vers la région suivante, Zalsenmund. Bah, c'est déjà le fait. Remporter la bataille de Kalmaraz. Kalmaraz. Capacité Kalmaraz. Dégâts des armes, dégâts perforation d'armure. Attaque en mêlée plus 8, taux de piège pour les batailles 10%. Ordre public plus 5. Kalmaraz. Tous les petits trucs, voilà. Et on a Oda Kalmaraz. Et c'est génial. Donc cette quête est bel et bien terminée. Maintenant, le chronique de Rightland, il faut mettre quelqu'un à Zalsenmund. Bah, c'est déjà le cas. Donc cette quête là aussi est faite et on va pouvoir récupérer les chroniques et remonter enfin un peu avec Karl Franz, à qui on va donc donner la griffe mortelle. Je pense qu'on peut lui donner, parce que sinon il faut améliorer ça tout le temps. Vous savez quoi, on va directement lui donner la monture griffe mortelle avec Kalmaraz. Et là, Karl Franz est devenu un vrai dieu. Et donc ça, c'est une bonne chose de faite. On va juste vite reprendre une... Ah non, on fera ça au prochain épisode, début de prochain épisode, on va faire la recherche, on va faire un peu de gestion, on va voir. Et donc, on a réussi la quête de Kalmaraz. J'espère que la bataille vous a plu. C'était Rage Ludus, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite encore une très bonne semaine, un très bon week-end, très bonnes vacances, c'était Rage Ludus. Oh oui. Un pour Sigma.